Arturo Bouger, Chrononetti, Marie-Bernard Caillé. Allez, supporters, je veux voir toutes les lumières en l'air, je veux voir tout le monde debout pour la présentation du BC Angers. Et on commence avec le numéro 7, Bruce Caillé. Plus fort, il porte le numéro 8, Sylvain Dinoir. Et puis c'est le numéro 10, ce n'est pas Zinedine Zidane. Faites-moi kiffer, faites-moi trembler, toutes les mains en l'air, toutes les mains en l'air.
Thank you.
activité, ça va, t'as une partie, là, j'adore. Marché ciblé, la possession revient dans les mains du camp basket Calvados. Thank you.
Espère là.
grands enjeux pour le BC Angers. Oui, bien défendu par Ousmane Gueye, mais très bon. Encore Mounir Bernaoui. Avec la faute en plus. Mais quel match il est en train de nous faire, Mounir Bernaoui. Oh là 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 là. Ça fait 12 points déjà pour lui, 12 peut-être même 13 après. Et c'est quoi sa réussite? Je sais même pas s'il a loupé un tir. Il a loupé un shoot, 4 sur 5 au tir, 2 sur 2 à 3 points, 2 sur 3 à 2 points. La zone pour l'instant, comme on dit, Mounir Bernaoui. Et donc un nouveau lancer franc marqué. 27 partout dans ce match. Et donc on disait 13 points de Mounir Bernaoui, complètement injouable. On est encore dans le premier carton. 27 partout. Vécus, il est tout seul. Oh là 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 là. 3 points supplémentaires pour Archie, quelle rencontre! C'est quoi ce match? Alamrani, défendu par Vécus. Nouveau passage en zone pour les Archésiens. Peut-être pour aller jouer sur Mounir Bernaoui, l'homme du match pour l'instant côté Cané, le fadeaway et la... le bon rebond de Thomas Von Oussem. Et derrière, qui court en plus, Aurélien Rigaud. Il est en feu lui aussi, déjà 10 points. Oh non, il est très loin là, aussi la Zencus. Présomptueux ce un shoot. Un peu trop loin pour le coup. En début de possession, comme ça il y avait encore du temps, de très très loin. Hassan Pope qui va vouloir jouer sur Ousmane Gueye. Fendjiba. Ah, et le bon écran retard de René Rigaud qui gagne son duel face à Mounir Bernaoui malgré la différence de taille. Et les bons bras de Bryson Pope qui va aller récupérer cette balle. Et déposer un très bel alley-oop pour Parfenjiba. Attention, les pertes de balles. Attention, les 5 secondes. Elles peuvent être préjudiciables à ce niveau-là. Plus 1 pour le BCO. 30 à 29. La dernière possession, elle est pour Romantiel. Qui va aller jouer Bryson Pop. Qui avait provoqué la faute et avoir deux lancers francs. Très bien joué. Très bien joué par le jeune français. Que quand il était en pénalité. Exactement. Et puis on en parlait déjà dans le match 2. Il a l'horloge dans la tête. Hein. Il est capable de gérer le chrono. Voilà, il voit qu'il reste 5 secondes. On rappelle, hein, seulement 18 ans, Romantiel. Exactement. C'est fou de voir à quelle maturité il évolue malgré son jeune âge. Lui qui a été appelé pour participer aux équipes de France U19. Ouais, il est pré-sélectionné pour l'instant. En tout cas, ouais, il fait partie du groupe élargi.
converti ici ce premier lancer franc. La balle qui ressort, nouvel échec au lancer. On en restera là donc pour ce premier quart-temps. 31 à 29. On voit un vrai match de playoff, un vrai match froid, où pour l'instant, les attaques prennent le dessus sur les défenses. La 31-29, très honnêtement, je pense que c'est très rare de voir des matchs de play-off avec autant de réussite offensive. Et justement, on en parlait, on avait vu deux premiers matchs défensifs avec seulement 66-61 au premier match. En général, c'est ce qui se passe en play-off. Les rotations se resserrent, les défenses sont plus dures, il y a plus de tension dans le match, donc les mains qui tremblent un petit peu plus, mais là, rien de ça. On a de très très belles adresses dans ce début de match. 8 sur 12 pour Orchi. Là, pour vous dire, on est tout simplement sur une base de 120 points. Bon, je pense pas qu'on va rester là-dessus, mais voilà, juste pour vous. 8 sur 12 pour Orchi, je disais 10 sur 18 aussi pour Caen. C'est une très belle réussite à 3 points. 6 sur 8 pour Caen, 5 sur 8 pour Orchi. Voilà, on a des joueurs qui, pour l'instant, ne ratent pas beaucoup, voire très très peu. Au-delà des 60% pour les deux équipes. Hein. C'est ce qui rend aussi le match plaisant, forcément, j'espère, pour vous aussi chez vous. Voilà, le public complètement surmotivé. Honnêtement, c'est difficile de faire plus. Hein. Pour un premier carton, ce qu'on a vu là, notamment, on va le rappeler, Mounir Bernaoui, qui est à 13 points, 3 rebonds. Là, il est en train de nous faire une prestation, Mounir Bernaoui, 14 d'évaluation pour lui. Et côté Orchésien, on a Aurélien Rigaud qui est déjà à 16 déval avec 10 points, 5 passes. Ils sont là, les deux leaders pour l'instant sur le terrain. On voit un peu moins Joe Burton, mais voilà, les joueurs autour sont capables de prendre le relais. Et parfait, Njiba aussi, 11 points. Qui pour l'instant passe un petit peu plus inaperçu que Mounir Bernaoui, mais. Avec sa réussite primée, hein, parfait. Fait un énorme Njiba, match aussi. Hein. Ça envoie de partout, 3 sur 4 à 3 points pour parfait Njiba. Parfait Njiba qui n'est absolument pas sorti depuis le début de la rencontre, il me semble. Exactement, tout comme Mounir Bernaoui. Qui vient de sortir Mounir Bernaoui. Voilà, exactement. Pour le retour de Tyler Marshall. Mais parfait Njiba est toujours sur le terrain. Donc pour le BCO, c'est le même 5 qui avait fini ce carton. Juste Romain Holzel qui est sorti, remplacé par Mike Benhamed. On est reparti. Aurélien Rigaud, lui non plus, n'est pas encore sorti. Serré de près par Idriss Labrani. Yarigo, le bon backdoor, proposé par Mike Benhamed, avec Thomas Renoussel en tête de raquette, non ça rentre pas. C'est un bon tir pourtant pour le Belge en tête de raquette. Fin de possession. Et attention au mismatch entre Bryson Pop et Aurélien Rigaud à l'intérieur. Orchi qui propose une défense de zone. Ousmane Gueye à la limite de la faute, très bien joué de la part de Joël Aouiche. Tir difficile, de grosse qualité de la part de Joël Aouiche. Nekus. Il allait pouvoir jouer sans un contre un, Gustinas. Et la faute elle est pour Rida et Lamrani, si je dis pas de bêtises. Faute de Rida Lamrani, un petit contentieux entre les deux, enfin en tout cas voilà, Lamrani qui se plaint que ce soit Aurélien Rigaud qui est venu prendre sa main et on sait que dans les raquettes ça met un petit peu des coups aussi. Ouais, attention parce que Karim Mbembo il est déjà à deux fautes, Rida Lamrani vient de prendre sa première faute, là ça commence à faire beaucoup pour les Canets au niveau des fautes. Mise en jeu, ligne de fond, Bakus à 3 points, c'est manqué pour le Lituanien. Marshall qui verrouille le rebond. Un sifflet après les petites embrouilles du match 2. Njiba. Lamrani et Aouiche qui est tout seul esselé dans la raquette. Complètement oublié. Très bonne vision du jeu aussi de la part de Lamrani qui a vu son coéquipier se décaler. Et il me semble que c'est le plus gros égard du match pour Caen, plus 2. Hein, le CBC qui n'avait mené que d'un seul point pour l'instant. 33, donc 31 pour les Normands. Servi, Thomas Renoussem à l'intérieur face à deux joueurs. Oh, il va obtenir la faute. Il fait un petit peu tardivement, mais il s'en sort bien le Belge. C'est Bryson Pope qui a commis cette faute.
sur Thomas Van Hoonsem. Là déjà deux fautes d'équipe. Et le coach Stéphane Eberlin qui choisit de faire sortir Parfait Njiba pour le retour de Carlo Naembo. Il prend le risque. Bryson Pope aussi qui vient de commettre sa deuxième faute. Ah là il est obligé de jongler entre des joueurs qui ont malheureusement qui sont déjà pénalisés. Premier lancé franc manqué par Thomas Van Hoonsem. Attention déjà, quatrième tentative manquée sur la ligne des lancers francs. Cinquième même, pardon, 10 sur 15 seulement pour Franchi. 11 sur 16 donc avec ce panier. Déjà énormément de lancers francs tirés. 16 tentatives sur la ligne de réparation pour Franchi en un peu plus d'un carton. On se rapproche tout doucement des 1000 supporters en simultané sur le live. Je ne sais pas si on a déjà atteint la barre des 1000 cette année. Pas cette année en tout cas, non. Bon, Angel qui a fait son retour à la place d'Aurélien Rigaud. El Amrani. Ça switch, donc il se retrouve sur Joe Burton. Carlo Naembo, il va aller servir Joe Lawish à l'intérieur. Non, ce sera pour Ridel Amrani en tête de raquette. Impeccable. Voilà. Voilà, les Canucks sont chirurgicaux offensivement. 35 à 32 après 12 minutes de jeu. Qui va aller servir Joe Burton, la passe est difficile. Ah, la troisième faute, elle est là de Carlo Naembo. Je pense que c'est peut-être Tyler Marchand qui l'a prise, on va voir à qui est-ce qu'elle est donnée. Ah, effectivement, on va non, voir. Non, c'est bien la troisième faute de Carlo Naembo, tu l'avais bien vu. Ah, je pense pas qu'il va rester sur le terrain. Ça m'étonnerait. L'entraîneur Canet. Voilà, Stéphane Eberlin qui se retourne vers son banc. Forcément, déjà trois fautes pour. L'expérimenté. Et qui n'a pas envoyé de joueur sur la chaise pour demander son changement. Ouais, en tout cas, on voit El Amrani qui fait signe à son banc. Il a trois fautes. Karl. Il l'a fait signe au banc. Ça m'étonnerait grandement qu'il n'y ait pas de changement. Non, ça a l'air d'être géré par le coach qui lui a dit on prend le risque de le laisser. On va gérer. Bah ouais. Je pense que là. Est-ce que Orchi va essayer d'en profiter? Est-ce que Carlo Naembo va toujours avoir la même intensité au niveau défensif? Non, là, il va avoir un changement. Voilà, il y a le Cavera qui va le remplacer probablement. El Amrani. Ça switch encore une fois. Marshall qui va avoir l'avantage de taille à l'intérieur sur Venkus. Il n'est pas trouvé. Et la faute, il me semble qu'elle sera pour Augustin Venkus. Ou pour Mike Benhamed peut-être. En tout cas, ouais, El Amrani forcément. C'est entre les deux, en tout cas, oui. Ah, c'est bien Venkus. Il est... Tu avais bien vu. Des yeux de sphinx aujourd'hui. Faut croire. Alors on demande des explications par rapport à ce qui s'est passé vendredi entre Tyler Marshall et Joe Burton. Bon, c'était une petite altercation. Une petite altercation entre joueurs. Ouais, avec les playoffs et les adversités qu'il peut avoir, forcément ça ajoute de l'intensité et les joueurs parfois peuvent se. Peuvent un petit peu s'énerver. Ça arrive, mais rien de mal. Les joueurs sont restés bien plus jusqu'au bout et. On a pu avoir une très belle rencontre qui s'est déroulée par la suite. Et c'est la première faute d'équipe pour le BCRJ. La Brady 2 sur 2. Donc plus 3 toujours, l'écart qui se... stabilise aux alentours des 3 points. C'est Svenkus avec Romain Holzel. Oh là là, il est dur sur sa forme dedans. Ça va jouer avec de la réussite, mais voilà, il arrive à se faire Romain aussi. Il fait un gros match hein, depuis la rencontre Romain Holzel. 9 points pour lui. Allez, Bryson Pope, grosse défense proposée par le BC Orchi qui remonte très haut. Il reste déjà plus que 10 secondes de possession. Ridel Amrani. Et la mauvaise passe, perte de balle. On avait provoqué le switch, ça n'a pas marché pour l'instant pour les Canets. El Amrani aussi. Burton qui demande la balle à jouer vite, non. C'est seulement la deuxième paire de balles que tu connais. C'est aussi pour ça qu'on a des très bons scores. C'est qu'on voit des équipes qui prennent vraiment soin du ballon. C'est ça, ouais. Il y a une paire de balles qui était en tout début de match, si je crois me souvenir, mais effectivement. Enfin, comme quoi, vraiment, le match est monté en niveau sur tous les points. Hein. Il reste 4 secondes sur la possession. Holzel l'a vu, il déclenche un gros shoot, c'est trop long. C'est en fin de possession, il fallait prendre ce tir.
On voit très peu Joe Burton hein, sur ce match. En tout cas, offensivement, il est bien contenu par les Canets. Ah oui, à 3 points, c'est manqué, mais la bonne présence au rebond de Marshall qui ressort sur Bryson Pope. Oh là 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 là, quel tir! Oh là 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 là! Quelle réussite! Pour l'instant, on reste sur le même rythme hein, entre le premier et le deuxième carton. 40 points à 36 déjà, et seulement 14 minutes de jeu. Mini break créé par les Canets qui prennent 2 possessions d'avance. Joe Burton qui monte la balle à l'intérieur face à Derrick Marshall. Il reste 8 secondes, il va falloir créer quelque chose du côté du BCO. Benduro, il était défendu, il arrive à trouver ce shoot. En fin de possession sur Joël Aouich. Tout de suite, hein, le BCO qui laisse pas le CBC s'échapper. Ça, honnêtement, 39-40 alors qu'il reste plus 5 minutes dans le deuxième quart-temps. C'est complètement fou pour un match de play-off. Caverag pour Tyler Marshall. Qui a inscrit son premier panier du match. Hein, il me semble que je l'avais pas encore vu. Ouais, c'est ça. Il s'est rapproché du panier pour essayer de se rassurer. Tout en simplicité. Et ça fait 39 à 42 pour le CBC. Oh là là, attention, on en avait parlé de ces pertes de balles. Ouais, déjà la deuxième pour Romain Holzel et ça donne une nouvelle fois. Attends, mort tout de suite. Ça, c'est pas si tant dérangeant que ça les paires de balles. Si derrière ça donne pas de points rapides là en plus, c'est que ça provoque des paniers rapides pour leurs adversaires. C'est une munition au moins pour l'équipe et ça donne 2 points de plus pour l'équipe adverse. Déjà 10 points inscrits sur les balles perdues pour les Canets. Seulement un petit point pour Orchi. Allez là, la différence. Et donc plus 5 hein, pour le CBC. Les Canets qui font un meilleur début de deuxième quart-temps pour l'instant. Et il faut l'avouer, le rythme est vraiment incroyable. Le rythme maintenu par les deux équipes. C'est un match, c'est le haut standing au niveau offensif pour un match de play-off. Avec, il va sûrement essayer de mettre une tactique en place pour essayer de trouver un shoot et se rassurer pour venir recoller à une possession des Canets. Allez, on va continuer à pousser derrière nos joueurs. Je vais reprendre les 4 tribunes tous ensemble. Si des fiers mettent en chien de salle dans tes mains, demandez les réussites à 3-3. Ce match, les statistiques ne sont pas actualisées, elles sont restées à la fin du premier quart-temps. En tout cas, sur le premier quart-temps, il y avait 5 sur 8 pour Orchi, 6 sur 8 pour Corée. On n'arrive pas pour l'instant à avoir des stats plus actualisées. C'est au-delà des 60% pour les deux équipes, ça c'est sûr et certain. Pour vous dire, 60% de réussite à 3 points, c'est rarissime. Donc le jeu qui reprend dans les mains d'Aurélien Rigaud. Un long de tir, long de points pour Rigaud. Impeccable de précision. Bien, Rigaud, s'il vous plaît. Caverag pour Mounir Bernaoui qui va peut-être aller servir Bryson Pope à l'intérieur. Il y a un petit mismatch. Qui ressort très bien joué sur El Amrani, seul à 3 points. C'est manqué cette fois-ci. Le rebond pour le BCO. Par Augustin Svenkus, on demande de la relance, on demande du jeu rapide. Il a vu que Glenn Duro avait l'avantage de taille sur. Il y a Romain Hossel, pardonnez-moi, tout seul à gauche. Il n'a pas été servi. De raquette, ouais. C'est pas des shoots qu'il a l'habitude de prendre. Et il manque derrière la nouvelle relance très bien jouée. Bien joué de la part d'Alan Rani. Ouh, la faute sifflée de Glenn Duro. Et c'est la deuxième pour le BC Orchi. Il n'y aura pas de lancer fort. C'est pas sur une situation de tir. Elle a Rani très très efficace en contre-attaque. Il court très vite. Il arrive à servir ses coéquipiers. Bon, plutôt une faute, on va dire, assez intelligente pour. Glenduro qui est par Glenduro puisque ça ne donnera pas de lancer franc. Voilà. Évite un panier facile de Bryson Pope. Exactement. C'est la deuxième d'équipe donc ça va, c'est pas une mauvaise faute comme tu l'as dit. Personnelle, voilà, pas d'inquiétude. 18 secondes sur le chrono pour les joueurs du Calvados. Pour verrer dans le corner, le rebond, c'est il est pour Joe Burton. La bataille entre Burton et Marshall. Et Burton qui verrouille bien ce rebond. Une nouvelle fois ça a switché. L'avantage de taille sur El Amrani, la très bonne. Oui, c'est Lucas Vera qui allait se faufiler derrière Glenduro.
qui fait bien sauter Glenn Duro derrière et qui va scorer deux points. Parfaitement maîtrisé cette contre-attaque du CBC qui pour l'instant, voilà. On a décidé de switcher. Il y a un avantage de taille, on essaie de servir pour Anchi et ça ne réussit pas aux Arcésiens. Hein. Il reste 10 secondes, il va servir Genjuro. Peut-être pour aller trouver Joe Burton. Voilà, on l'a très peu vu. Kevera qui hésitait à venir en aide. Oh là 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 là. Sur la tête de Tyler Marshall, on avait vu exactement le même tir dans le match 2. Karim Abdul Burton. Un skyhook de très très loin. Et en plus avec la faute cette fois. Et il fait du bien mentalement aussi, hein, puisqu'il y avait déjà 5 points d'avance pour les Canets. Incroyable avec la faute. Très compliqué à mettre. Là c'est un tir de MVP hein, tout simplement parce qu'il y a vraiment très peu de joueurs qui sont capables de mettre un skyhook de cette distance et en N1. Voilà, il y a des champs de MVP juste à côté de nous. Ah, Joe Burton qui. Oh là là, quel tir! Et qui manque son lancer franc par contre, attention, ces fameux lancers francs laissés en route. On a dépassé le cap des 1000 personnes en simultané, Mathis. Ouais. Bienvenue à toutes et à tous. Ça fait vraiment plaisir de voir autant d'affluence pour un match de PF de NM1. Bienvenue bien sûr à tous les supporters canets et à tous les supporters orchésiens qui sont derrière leurs écrans. Belle faute hein, commise par Archi, remise en jeu ligne de fond pour El Amrani avec Bernawi. Sur Glenn Duro, il va vouloir le jouer, non? C'est Kevera pour El Amrani qui va être trouvé Tyler Marshall. Bien joué par les Canets. La balle qui circule très bien, la petite passe sous le cercle. Et le panier facile en dessous du cercle, ouais, effectivement. Ouh là là. Il y a les trois d'Aurélien Rigaud. Hein. Ouais, c'est ouvert dans la raquette. Première intention, mais. Holzel. Bien joué ça de la part de Romain, allez il reste 7 secondes, il faut prendre le tir. Oh, bien joué, ah oh, c'était dommage, oh oui Romain tape au tour. Bien suivi par Romain Holzel. Heureusement qu'il est là au rebond offensif. Parce qu'il y a eu plusieurs occasions de jeter. Tout le monde a choisi là. Oh là là. On n'arrive pas à actualiser les statistiques, donc c'est compliqué pour nous de vous dire précisément. Pour l'instant elles sont bloquées à la fin du premier quart-temps. Au moins à 11 points Romain Holzel. Qui recolle à 3 points, 48-45 à 3 minutes de la fin de cette première mi-temps. Attention à la limite, oui, non, même ces retours en zone commis par Tyler Marshall qui a redonné la balle à Ridel Amrani alors qu'il était en zone arrière. Faute d'inattention, un retour en zone, perte de balle évitable là sur le coup pour. Marshall qui s'excuse, voilà, ça fait partie aussi de la vie d'un groupe. Voilà. Il regarde son banc, pas de problème. Mais donc il perd le ballon et qui rend une munition à Archie. Il va tout de suite se reconcentrer. Allez, la balle pour Aurélien Rigaud qui va mettre en place son équipe. Ça switch une nouvelle fois sur les écrans. Ah, Ridel Amrani, oui, il switch sur tous les pick and roll les canets. Voilà, qu'est-ce qui est dur ce tir. En bout de possession, Aurélien Rigaud, il est exceptionnel. Un long de points. Que ce match, c'est incroyable ce qui se passe. Un jeu très difficile en fin de possession. Des skyhooks N1, des tirs complètement déséquilibres. Et le BCO qui recolle donc à un petit point. Bernawi à 3 points. C'est manqué. Le rebond pour Joe Burton. Ça joue vite du côté du BCO Archi avec Romain Tsek qui avait provoqué la faute de Lucas Verac pour essayer de stopper un peu. Et qui avait aussi mis son tir derrière. Et qui va donc avoir de lancer franc puisque c'est la 5ème faute d'équipe. Les Canets qui rentrent dans la pénalité. Et donc premier temps mort pris par Stéphane Eberlin à 2 minutes 05 de la fin de cette première mi-temps. Attention aux fautes hein, pour le CBC parce que on n'arrive pas malheureusement à actualiser les stats. Le site de la fédération connaît quelques petits problèmes. Donc à ce qu'on peut vous dire pour les supporters, que ce soit pour les Canets ou pour les Archésiens, puisque on rappelle le vainqueur de cette série affrontera soit Chartres soit Toulouse sur le match, enfin sur la confrontation quart de finale suivante exactement. Et donc il y a aussi un match 3 qui se déroulait à 18h, donc le match à la mi-temps pour l'instant c'est Toulouse qui mène de 7 points contre Chartres, donc ce serait potentiellement une surprise. Alors bien évidemment il reste 20 minutes, mais à la mi-temps de cette rencontre c'est Toulouse qui mène contre Chartres. Hein.
information importante parce que oui, comme tu l'as dit Mathis, ce sera le futur adversaire de l'une de, des deux équipes ce soir. Bon, on disait, les, et Aurélien Rigaud qui sont vraiment en forme sur ce début de match. Pour l'instant, le joueur qui sort un match. Il est bon présent. Expérimenté et jeune à la fois. C'est ça, ouais, c'est exactement ça. C'est la jeunesse d'un côté et l'expérience de l'autre, mais qui élève leur niveau de jeu, qui était bien sûr déjà, qui ont affiché un niveau de jeu très bon tout au long de l'année, mais là, là c'est encore mieux que ce qu'on a vu durant l'année, j'ai envie de dire. Donc c'est Romain Holzel qui va se retrouver sur la ligne après cette nouvelle faute provoquée. Silence de cathédrale alors qu'on a 5000, pas près de 5000 personnes dans la salle. Encore un échec au lancer franc. Dommage hein, pour les Archésiens qui laissent ces petites munitions en route. On le disait dans les matchs importants comme ça où chaque détail compte. Surtout sur des matchs très serrés comme on a aujourd'hui là. Un point ça peut compter énormément. De la mi-temps. Les Archésiens qui montent d'un cran défensivement. Petite tentative de prise à deux sur le meneur. On prend des risques si on essaye de gratter quelques ballons. Surtout, on retarde la possession. Hein, plus que 10 secondes pour les Canets pour attaquer Bryson Pope. Hop. On va les servir à Thierry Marchal, peut-être dans l'intérieur. Il y a un mismatch. Il a bien trouvé Mounir Bernaoui. Très bien joué la connexion à l'intérieur. Les Canets qui, même s'ils arrivent en fin de possession, arrivent à trouver des tirs. Tire facile près du panier. Roberton, c'est compliqué, bien défendu par Marshall. Oh, le bon rebond de Genjuro, bien battu. Il va peut-être aller resservir Roberton qui redemande la balle. Il n'y a pas de prise à deux cette fois, donc il va vouloir assister Roberton. C'est chose faite. À tout en puissance le MVP. Qui se rassure un petit peu. Et on voit tout de suite, dès que le CBC ne fait pas de prise à deux, il fait son petit dribble, il se retourne et deux points. Le fameux spin move qui durant toute cette année. C'est quasi automatique hein, pour lui. Il a été instoppable là-dessus, Joe Burton, quand il attaque ligne de fond. Marchal, une nouvelle fois qu'à l'avantage et qui ressort sur Bryson Pope. C'est très bien joué cette lecture de jeu. C'est manqué. Bryson Pope qui finit par terre, il demandait peut-être une faute. Et derrière. La faute de corps, elle sera pour Lucas Vérac, visiblement pas immobile selon les arbitres. Et qui va donner deux lancers francs du coup. Il ne semble pas qu'il était dans la zone de non-charge. Donc on a estimé qu'il était en train de bouger parce que c'est ça. On ne peut pas lui reprocher qu'il soit dans la zone de non-charge. Ouais, non, il était bien plus haut. Il était forcément il était installé un peu trop tardivement. Et Joe Burton qui en plus d'être MVP passe à Serpillard. Voilà. Quelle polyvalence de la part de Joe Burton. Et donc il y aura deux lancers francs pour Van Nunsem. Et encore une faute. De rien à souligner, Lucas Vérac, je crois que ça va être sa deuxième. Et donc forcément, tu es obligé de remettre Carl Onaembo avec ses trois fautes. Bon, il reste 51 secondes avant la fin de cette première mi-temps. Ça veut peut-être dire qu'il est aussi à trois fautes du coup, Lucas Vérac. Hein. S'il sort pour faire entrer Carl Onaembo. Pas capable de vous dire malheureusement. J'ai pas vu la plaquette. On n'a pas vu et on peut pas, les stats ne marchent pas. En tout cas, on essayera de faire un point à la mi-temps. De noter tout ça. Les joueurs qui bien sûr portent beaucoup d'importance à bien essuyer le terrain pour éviter les blessures inutiles. Et Thomas Van Nunsem qui va avoir l'occasion de donner deux points d'avance au BCO. Efficace aussi sur la ligne, voilà, il répond présent quand on l'attend, ces petits détails. Et donc plus de 52 à 50 pour le BC Orchi. Ridaï Lamrani, il reste 14 secondes de possession. Et bonne défense par les Orchidiens puisque voilà, c'est ça, là, il reste que 10 secondes et ils sont toujours pas rentrés dans le racket, le drive de Bryson Pope. La qui faute, provoque la faute. Thomas Van Nunsem. Ouais, mais c'est plutôt une bonne faute, on va dire, c'est seulement la quatrième collective. C'est ça, il y avait encore une faute à donner. Est-ce qu'on estime ouais, les lignes de fond, il n'y aura pas de lancer franc, c'est bien ce qu'on disait. Pas sur un tir,
mais effectivement, je crois que c'est ouais, sa première, sa deuxième. Et donc, remise en jeu, ligne de fond. Désormais, les deux équipes sont dans la pénalité. Il reste 35 secondes. Bernaoui, compliqué. Mais le rebond, il est pour Idan Amrani. Ah, on a Mbou, il est tout seul. À 3 points, forcément. Gros tir. Pour repasser devant. On a Mbou, un joueur expérimenté. On peut ne pas le voir de toute la première mi-temps. Il va être capable de scorer, voilà, de planter ce gros 3 points. C'est un des grands joueurs, ça ne va pas perdre confiance. Rester dans le match. Même si bon, il peut être frustré bien évidemment avec son problème de foot, mais. Et dès qu'on a besoin de lui, il répond présent. C'est ça, exactement. Dans les moments qui comptent. Dans son match. 52-53. Là, une première mi-temps d'un niveau exceptionnel pour l'instant. Ouais, on est sur une base de 100 points. Voire même plus, ouais. Parce qu'il reste 27 secondes. Donc Geoffrey Verbeek qui a pris son deuxième tomor, bah, pour dessiner un dernier système. Il y aura 3 secondes donc, de différence entre les deux horloges. Je pense que le but, ça va être d'aller au bout de la possession. Exactement, essayer de terminer la mi-temps devant. C'est mine de rien un message envoyé hein, pour terminer la mi-temps. Kylian Danse, Alexi pour les 27 dernières secondes. Après, la question, ça va être à qui va être ce dernier tir. Mike Benhamed. On l'a pas trop vu offensivement dans cette première rencontre. Il me semble même que. Bah, il a pas scoré dans cette première mi-temps. C'est vrai que je verrais bien Mike Benhamed aussi d'un côté. C'est un peu à l'image de Carlo Naimbos qui nous a proposé sur ce quart-temps. Voilà, on le voit pas à la première mi-temps, mais il est capable. Et bah, quand il faut de mettre son 3 points, on va voir. C'est seulement une suspicion. Il y a aussi Romain Holzel et Aurélien Rigaud qui sont complètement bouillants. En tout cas, il y a le temps pour placer le système dessiné par Geoffrey Verbeek. Petit problème de chrono. Savoir où était le problème de chrono. Je crois que c'était sur l'horloge des 24 secondes. Il restait que 14 secondes. Ça a été remis à 18. Si je dis pas de bêtises, il semble que c'est ça. Allez, tout le monde avec les deux, tout le monde dans les mains. Ça a donné une touche côté pour le Bessorchi. Qui met la pression sur. Attention, pas faire de faute bête parce que là, ça donnerait de lancer franc pour le BCO. Entre les deux horloges, forcément. Aurélien Rigaud, il reste 6 secondes. Il va pas tarder à falloir s'élever. 3 secondes. Très compliqué ce tir. Oh oui! Bien suivi par Romain Angel qui manque aussi fin donc, de cette première mi-temps sur le score de 53 à 52 pour les Canets. Et on a vu une première mi-temps remarquable. Elle tient toutes ses promesses cette première mi-temps. Donc on vous donne rendez-vous dans un petit quart d'heure. Et on vous souhaite à toutes et tous une très bonne mi-temps. A tout à l'heure.
De retour pour cette seconde mi-temps, 53-52, on vous le rappelle, le score de cette première mi-temps. Alors à noter qu'on a retrouvé les statistiques, donc on va pouvoir vous parler un petit récap. Voilà, notamment, on en parlait, l'adresse à 3 points dans ce début de match. 6 sur 12, 50% pour Orchi, 8 sur 15, 53% pour les Canadiens. Certes, ça a un petit peu redescendu, mais quand même, les deux équipes sont au-dessus des 50%, c'est phénoménal. Le point est aussi très élevé, hein. 9 sur 14 pour le BCO contre 12 sur 19. Pour le CBC. Le CBC qui a tendance à prendre un petit peu plus de tirs que le BCO, après sûrement aussi dû au BCO qui fait qu'il perd un petit peu plus de ballons. Le match donc qui reprend. Avec Rida El Amrani sur le parquet, pas de Carl Onaimbo pour débuter la deuxième mi-temps. Parfenjiba qui est tout seul sur le côté droit, il va être trouvé par Brazen Pop. Ça ne rentre pas pour le CBC et la première possession orchésienne de cette deuxième mi-temps. Bien joué de la part de. C'était. Par exemple, Duro, qui est à. Oui, c'est ça, qui a servi très bon renversement. Et ensuite, très bien. Et Romain Tse qui est tout seul du côté droit, est-ce qu'on va essayer de trouver ou pas? Il l'a pas vu. Aurélien Arrigo, il reste 6 secondes. Il est Duro à 3 points, il a déjà mis en première mi-temps, il reste court. Pas de panier pour l'instant. Après une minute de jeu. Mounir Bernaoui qui continue son chantier. Voilà. Il est létal, Mounir Bernaoui, sur ce match. Quel passe point pour lui pour l'instant. C'est bien joué de la part de Vincenzo ça qui n'arrive pas à marquer malheureusement. Et le CBC qui va avoir l'occasion de prendre deux possessions d'avance. Ah, malheureusement, il n'a pas été trouvé par Fentiba. Il réclame. Une bonne vision du un ballon touché de la part du BCO. Mais bon, ça sera quand même rendu pour le BCO, oui. Très bonne vision comme tu l'as dit Mathis. Passe un petit peu trop dans les pieds. Et donc la balle qui est rendue comme tu disais. Archi avec Aurélien Rico. La Brani qui monte d'un cran défensivement aussi. Duro. Très bonne défense proposée par le CBC. Qui pousse les archésiens à la faute et voilà une nouvelle perte de balle provoquée. Bien joué de la part du CPC, c'est compliqué pour Archie en attaque sur ce début de seconde mi-temps. Bernaoui qui s'est refusé le tir et la bonne activité de Romain Tsel qui va permettre à la défense orchésienne de pouvoir se replacer tranquillement. Et il reste 17 secondes de possession. Donc 55-52 dans cette seconde mi-temps. 2-0 sur ce troisième carton pour les Canets. Anchi qui n'a pas encore débloqué son compteur. Bernaoui. Serré de près par Glenduro. Belle passe de Ridel Amrani. Belle passe de Taylor Marshall qui est en mode distributeur sur ce match. Très bien joué, ouais. il le sait, il est peut-être pas forcément en rythme, en tout cas il n'a pas de position de tir ouverte. Et ben voilà, il trouve des très belles passes, exactement. Très honnêtement. Ouvrir sa palette de jeu. Très bonne vision du jeu de la part d'intérieur américain du CBC. Et la faute sifflée pour Rida El Amrani qui a levé sa main. Sur Aurélien Rigaud, ça. Attention, le problème de faute, on l'a notifié. Sa deuxième. Seulement sa deuxième, ouais, donc pour l'instant c'est pas trop problématique. Les Canets qui pour l'instant sont revenus avec de très bonnes intentions en défense. Main gauche le Skyhook, tir un peu difficile, le bon rebond de Mounir Bernaoui, Joe Burton. Qui est resté par terre. Forcément, Bryson Pope tout seul à 3 points dans le corner. Oh là là, gros tir là. Quand on a le très gros écart du match, hein. Plus 8 dans cette deuxième mi-temps. Ça 7-0 pour Caen sur ce début de deuxième mi-temps. Qui va aller peut-être, non j'allais dire se rassurer près du panier, mais ce sera finalement pour Gustinas Vincus qui manque la mire lui aussi. Attention, déjà 8 points. Ouais, la faute d'avance de Glenduro qui essaie d'être vigilant sur sa défense, mais pris par la patrouille. Et Caen qui pour l'instant réalise un début de deuxième mi-temps parfait. Sur la troisième faute pour Glenduro. El Amrani. Bernaoui sur Duro, il est en feu, c'est trop court. Alors, quel rebond de Taylor Marshall. Et tout de suite un temps mort pris par Geoffrey Rabeck pour couper l'hémorragie. Tu l'as dit, gros rebond pris par Taylor Marshall sur la tête des intérieurs américains. Ouais, sur intérieurs, le meilleur rebondeur du championnat. Exactement, qui s'est fait avoir sur cette action et donc plus 10
pour le CBC, 62-52, avec un 9-0 sur ce troisième carton. Bon, les clés, il vaut mieux le prendre maintenant que qu'en fin de quatrième carton. Fouchy qui va avoir le temps de réagir, de se mettre dans sa deuxième mi-temps. Pour l'instant, ils ont un petit peu de mal, à se trouver. Il faut quand même être attention, parce que sur le match 1 ou le match 2, quand avait pris l'avantage, et Orchi n'était jamais revenu. Voilà, sur le match 2, c'était un petit peu l'inverse. C'était Orchi qui avait très longtemps fait la course en tête. Voilà, il va falloir vite raccrocher le wagon parce que. Ce serait dommage de louper le coche. C'est là aussi que la salle va avoir son. Tout simplement son enjeu aussi à jouer et essayer d'apporter un peu de ferveur. Voilà, Locke Logan qui va relancer la salle un peu. Il y en a besoin. On voit les Canets qui se réunissent aussi, ils se parlent. Pour un très bon match d'équipe hein, pour l'instant. Voilà. Très belle solidarité vue entre les joueurs du CBC. Aurélien Rigaud qui repart à la mêlée. Face à Rida et Labrani. Avec Augustin Azencus pour Joe Burton. Ce que vous ne Aurélien Rigaud, c'est son premier tir à 3 points raté du match, je pense. Attention, un nouvel échec. Il n'est pas du tout. Ouais, attention à ne pas laisser s'échapper le CBC. Il y a Parfenji Ball opposé tout seul. Il est trouvé par Brazen Pop, le même renversement que tout à l'heure. Charles qui tire, toujours pas pour l'Américain. Qui veut relancer. Burton. Grosse faute de Marchal sur Joe Burton. Pas de panier facile hein, sur cette action. Il était venu en aide sur Aurélien Rigaud et ensuite il est retourné dans la raquette. Mais il était un petit peu en retard d'ailleurs Marchal. La faute est sifflée au numéro 20. Je pense que tout va bien pour Joe Burton. C'était aussi l'occasion de récupérer un petit peu. On l'espère en tout cas. Tout va bien pour le MVP qui va pouvoir aller tirer ces deux lancers francs et débloquer le compteur d'Orchi sur cette seconde mi-temps. Il y en a besoin, rien que mentalement. Pour se rassurer. Et la sortie du numéro 8, Glenn Duro. Ousmane Gueye qui remplace Glenn Duro. Notre numéro 11, Allez, important le lancer franc, on l'a souligné en première mi-temps. Impeccable. Burton sur cette première tentative. Deux sur deux. Deux ficelles pour Joe. Important ces deux premiers points donc dans cette seconde mi-temps. Orchi qui a déjà laissé 7 lancers francs en route en première mi-temps. Voilà, il va falloir régler ces petits détails. Allez, belle défense proposée par le BCO. Oh, très bien joué de la part de Tyler Marchal qui avait trouvé Munir Bernaoui, mais la faute a été sifflée avant. C'est Ousmane Gueye qui l'a commis cette faute. Plutôt intelligente quand on sait que Marchal avait trouvé Bernaoui seul sous le cercle. Voilà, bon, la faute est commise avant. Très très bonne vision de jeu, l'intérieur américain qui pour l'instant fait les bons choix. Il se retrouve ici avec la balle. Marchal qui commence à switcher. Très bien joué. Quelle gestion du ballon de Ridael Amrani. Très très bien joué hein, cette action El Amrani. On voit le switch sur les pick and roll comme en première mi-temps. Voilà, El Amrani plus rapide que Joe Burton forcément. Attention Rigaud qui le fait danser. Ousmane Gueye, un long de points pour lui. On lance la machine, premier point dans le jeu pour le BCO dans cette rentrée. Hein, Ousmane Gueye hein, qui prend le tir en confiance. Intérieur du BCO. Par Marchal. Il a pris à deux. Grosse défense, il reste plus que 8 secondes. Il va falloir prendre le tir pour le CBC. Pas trop tarder. Au métronome. Il a vu le chrono, Ridael Amrani. Oui, c'est fait. Parfaitement géré cette possession. Bien sûr qu'il a vu le chrono. Un petit peu à l'image d'Aurélien Rigaud en première mi-temps. Sur le buzzer des 24 secondes en déséquilibre.
pas de soucis pour les meneurs expérimentés. Burton face à Marshall. Ah, il avait réussi à se resituer. Ouh, il a failli piquer cette balle. Joe Burton qui va aller finir dans les. Dans les chaises du CBC. Tout va bien. Bec, on va s'unter. Joe qui est prêt à tout pour récupérer ce ballon qui est venu plonger. Ah, il s'en voulait parce qu'il avait réussi à faire le plus difficile face à Tyler Marshall. Il loupe son tir. Et derrière, il a failli récupérer cette balle. D'ailleurs, Tyler Marshall qui est sorti. Il est remplacé par Joel Awish. Attention, hein, parce que là, quand a l'opportunité de passer cette barre des 10 points, plus 10 pour l'instant, ils peuvent creuser un vrai cas. Il va falloir tenir pour le BC Hershey. Bryson Pope. Une nouvelle fois, c'est compliqué la bonne défense. Tu le disais, Lucas. Il reste 6 secondes, il va falloir créer quelque chose. Allez, allez, allez. Plus dur effet. Oh là 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 là, parfait, Jiba. Quel tir. Très bonne gestion des possessions de la part du CBC qui arrive à trouver des tirs en fin de possession. La réponse de Joe Burton, un petit peu compliqué. Voilà, il se met en route. Mais c'est vrai qu'on trouve des canets en attaque. Il a Joe Burton. C'est vrai, ouais. Alors, qui gère les possessions à la merveille, exactement. Ils ont le chrono en tête, ils savent ce qu'ils doivent faire. Les écrans sont bien posés, il y a des avantages de prix. Très peu d'échecs hein, pour le CBC. La part de Bryson Pop qui arrive à faire sauter Ousmane Gueye. Oh là là, quel tir encore. Il y avait une grosse défense pourtant d'Ousmane Gueye. Il faut avouer que là, la réussite aussi au tir des canets est très haute. Hein. Comme on dit souvent, bonne défense, meilleure attaque sur cette action. Exactement. Donc 12 points d'avance pour le CBC. Attention. Orchi, Holzel, à la limite de la part de Bell. Bernaoui, Joe Burton qui demande la balle. Oh, c'est dur. Attention là, pas prendre un éclat pour les joueurs du BCO. Après la faute de Romancel pour pas laisser le panier facile. Ouais, pour couper la contre-attaque, surtout il n'y aura pas de lancer franc, il me semble, hein, une nouvelle fois une faute commise avant le tir. Je crois pas qu'il y ait ça. Exactement, Jean-Louis Matisse. Voilà, il faut se remettre dedans là pour les joueurs du BCO. Joe Burton qui file directement au vestiaire, peut-être une petite douleur. Vincus aussi qui sort, on l'a pas du tout vu dans cette seconde mi-temps. C'est le deuxième meilleur marqueur de l'équipe quand même, et c'est dommage. Il a marqué un 3 points en première mi-temps pour le coup. C'est ça, il est bloqué à 3 points. Et Daniel Rani qui met en place l'attaque. Oh, bien joué. Oh, donc, il avait fait plus difficile Ridan Amrani et la balle va retomber. Un petit peu avec un petit peu de chance dans les mains du BCO. Il en a mis des plus durs, hein, Ridan Amrani dans cette première mi-temps. Et voilà, il manque son petit lay-up. Et donc la Pével Arena qui comprend qu'il va avoir son rôle à jouer. 12 points de retard pour le BCO. Il reste 3 minutes dans le troisième quart-temps. La balle dans les mains d'Aurélien Rigaud. Il demande la balle peut-être Ousmane Gueye, il y avait un petit mismatch. C'est bien ressorti pour Ousmane Gueye à 3 points. Ouais, tir difficile. Bonne défense du CBC. Joël Awish, ouais, le gros avantage physique face à Aurélien Rigaud. Ouais. Et 14 points d'avance pour le CBC. Sans tailleur Marshall, hein. Vraiment les canets qui sont très efficaces offensivement. On a l'impression que Sorki n'a pas de solution défensivement. Déjà 72 points encaissés en seulement 27 minutes. Ils ne vont pas avoir de regrets. Hein. C'est quand même la saison qu'ils jouent à ce moment-là de la rencontre. Ouais, 14 points d'écart, l'écart qui ne cesse de grandir. Hein. C'est maintenant ou jamais là. Hein. Il faut une réaction du BCO, comme tu l'as dit Mathis, 72 points encaissés en. Avec un score dans le troisième quart-temps de 19 à 6. Petite pause pour nettoyer le parquet, les joueurs qui peuvent un peu se reposer. Allez, des sont là. Par la même occasion, voilà, le jeu qui devrait reprendre. La limite de l'intercession même, c'est Verag, bien sorti par Ben Hamed. Ils sont en mission les gens. Attention, il a stoppé son dribble même Ben Hamed. Aïe 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 aïe, oulala. Il reste déjà plus de 12 secondes pour les joueurs du BCO. Ridan Amrani qui va aller voler ce ballon. Et inscrire. Et oh, il avait fait plusieurs encore une fois. Oh là 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 là. Quel match de jouer à la Wish. Depuis qu'il est rentré, il fait énormément de bien au CBC. De côté du terrain, El Amrani à l'interception,
Ah, il manque un petit layup, mais au final, rebond à Wish N1, c'est peut-être c'est... même une meilleure action encore. Les Kings sont impressionnants dans ce carton. C'est le numéro 25, Joël Awish. Déjà 10 points pour Joël Awish. Peut-être même 11. C'est chose faite. CBC qui jette un froid dans la PVL Arena. Ouais, ils ont installé les barrières en défense. 6 points seulement pour le BCO et le BCO qui n'arrive pas à trouver de solution non plus en défense de leur côté. On va perdre de balles en plus, Dorian Rigaud. Aïe, allez, il faut se remettre dedans là, il faut se remettre dedans. La reprise en jeu pour le CBC. Il reste plus que 2 temps morts pour Geoffrey Herbeck, donc forcément il a envie de les garder pour son 4ème carton. La reprise en jeu de CBC, le BCO est catastrophique ce 3ème carton. Allez, il faut essayer bien de terminer. Il y a 2 minutes 30 pour essayer de recoller un petit peu. On essaie de sortir fort sur les écrans. Allez, ça commence par là. Part de balle provoquée, on a vu Ousmane Gueye très agressif sur la sortie d'écran. La faute de Joël Awish pour essayer de stopper le rythme qui commençait à être. Bonne faute, hein, seulement la 3ème d'équipe à 2 minutes de la fin du carton. Voilà. C'est une manière de maîtriser le tempo. En tout cas, voilà, ça passera par. C'est la première de jouer la Wish en plus. Pour Archie, ça passera par la défense en plus de vouloir retrouver une solution facile. Il va être bien plus agressif. Mais c'est moins le passage facile. Peut-être essayer aussi de faire un petit peu plus de fautes parce qu'Archie pour l'instant s'en sort pas mal. Ousmane Gueye en déséquilibre. C'est dedans. Allez, il faut essayer d'aller recoller. Au joueur canet, essayer de se rapprocher de cette barre des 10 points. Lucas Verag. Avec Joël La Wish pour le pick and roll. Il y a eu un switch. Mounir Bernaoui à 3 points. Ah, sans hésitation, Mounir Bernaoui directement. Quel match. Quel match. Il est obligé de couper le rythme. Il y a un troisième carton monumental des joueurs de camp. J'ai pas entendu, vous êtes avec moi ou pas? 5 à 8, plus 17 et plus 18 à l'écart. Je te rappelle, il n'y avait qu'un seul point d'écart à la mi-temps. C'est chirurgical, les joueurs de camp. Autour du vestiaire là, c'est. Tout le monde debout, on va changer l'archi, tout le monde debout. Allez, voilà, il y a le gars qui essaie de réveiller un peu la salle. Tout le monde debout, tout le monde avec les joueurs. Si t'es cher, la mission pour les Orsésiens, bien terminée ce 3ème carton. Aurélien Rigaud l'amène. C'est vraiment le seul. Ils sont très agressifs. Ça elle est un peu trop dure cette passe, elle est un petit peu trop dure. Pourquoi pas le tir à 3 points pour Aurélien Rigaud, il s'est un petit peu refusé le tir. Bernaoui, voilà, on donne la balle à son meneur. CBC qui peut commencer dès maintenant à gérer. Voilà, on va aller au bout des possessions. Il n'y a pas d'urgence. Bernaoui qui se stoppe sur Romain Jiba. Très bien ça depuis le début du match. Il y a Marami qui manque. Allez, il faut profiter là de ces moments d'accalmie niveau offensif pour le CBC. Bonne défense encore de Conquier sur toutes les lignes de passe. Exactement. Ben Ahmed, toujours pas. Le rebond. En plus, la bonne bataille. Allez, il est bien géré. Bernaoui qui fait un match quand même monumental. Pour l'instant c'est 22 points, 9 joueurs, bon. Meilleur joueur du côté canis sans, de très loin. Quel sans match contestation. Bernaoui. Il va avoir la balle à 3 points. Heureusement qu'il était là au moins de celle pour stopper cette passe. Romain qui arrive plutôt bien, j'ai cette situation de contre 1, il se place toujours au milieu. Le bon endroit, le bon timing, toujours les mains actives. D'Aurélien Rigaud et de Thomas Van Oostem remplacés par Auguste Lasvenkus et Joe Burton. Voilà, on remet les deux meilleurs scoreurs de cette saison. Peut-être qu'ils ne sont pas forcément leur meilleur niveau, mais ça peut passer par eux aussi. Hein. De toute façon, là, il faut faire les changements, il ne faut pas hésiter. La
compliqué. Fin de possession. En reculant. Quel tir. Ils sont insolents. Le joueur du CBC plus 20, 80 à 60. Ça fait un 27 à 8 sur le troisième carton. C'est écœurant. 27 secondes dans ce troisième carton. Romain Holzel qui ressort sur Ousmane Gueye. En déséquilibre, il a déjà mis un. Timon qui ne trouve pas la mire. Quel cauchemar ce troisième carton pour les joueurs d'Archi. Quel Amrani avait marqué en plus de très loin. Tout leur réussi aujourd'hui du CBC à l'image de ce troisième carton. 27 à 8, l'addition est salée pour les Orchésiens à la fin de ce troisième carton. Plus 20. Attention, la messe beaucoup d'accélérateurs. N'est pas encore dite, mais voilà, 20 points d'écart à l'entrée du quatrième carton. Bah, il faut faire le même carton qu'a réalisé Caen, mais de l'autre côté. À l'exact opposé, ouais, il va falloir trouver des solutions, se relancer offensivement. Et puis, on le sait, la PV Larena est capable de s'enflammer. Un enchaînement, un 3 points, une grosse défense, un autre 3 points, voilà. Ça va passer par là aussi déjà. Rappuyer au score petit à petit, ne pas laisser trop le CBC. Garder la même agressivité qu'on avait aussi en début de match, parce que là, on a provoqué aussi moins de fautes. Il n'y a que 3 fautes provoquées du côté du CBC. Pas essayer de trop s'entêter à chercher des shoots à l'extérieur, essayer d'aller à l'intérieur. Avec Joe Burton, ce sera peut-être un petit peu plus facile. Et puis, aussi le niveau défensivement aussi. Hein. Qui a marqué plus de 25 points sur les 3 cartons. Oui. Plus de 24 points ou plus, pardon. Sur les 3 clairement cartons. Dépassé la barre des 100 points. Hein. Si c'est pas le cas, ce serait quand même assez étonnant. 29, 24 et 27. Gros problème après, la réussite au tir de Caen. Après, ça va être 32 sur 52 au global. 61% réussite. C'est insolent quand même. Ça contraste justement avec ce match 2. Qui avait été compliqué, seulement 33% de réussite pour les Canets, qui avaient fait à 24 sur 71. Et ils ont doublé. Voilà. Allez, là, la clé de cette rencontre, en tout cas en partie. Et comme quoi, hein, le basket, c'est bien, bel et bien un sport d'adresse. Ils rentrent plus de tirs, on en prend au moins. Donc voilà, il n'y a que demander plus. Allez, de notre côté, Urchi, c'est pas le moment de lâcher, on va continuer à pousser jusqu'à la fin de ce match avec le supporters canet ou même les supporters orchésiens qui nous regardent dans le match entre Chartres et Toulouse. Pour l'instant, il y a 77-68 pour Toulouse à 4 minutes de la fin. Toulouse qui est en passe de réaliser l'exploit monumental. Ouais. On rappelle le 7ème de la poule B qui est en train de battre le 2ème de la poule A. Il reste encore du temps, mais voilà. Ce serait une catastrophe au niveau des Chartrains de se faire sortir aussi vite. Carton qui débute. Allez, mission rester en vie dans cette saison pour Orchi. Forcément, on va donner la balle à Joe Burton. Les premières fautes tout de suite dans le carton de Mounir Bernaoui. On en parlait des fautes. Hein. 10 secondes déjà une faute. Ça peut paraître anecdotique, mais ça peut jouer. Surtout dans le troisième carton, on n'a pas vu Carl Onaembo, hein, handicapé par les fautes. D'ailleurs, Marshall qui était aussi sorti très vite. Hein. Sans ces deux joueurs-là, bon, là, Onaembo qui fait son retour. Canet qui réalise le carton parfait tout simplement, Joe Burton. Bien enfermé par Mounir Bernaoui. Attention à ce qu'il ne prenne pas de faute d'affilée, Mounir Bernaoui. C'est bien défendu. Bien défendu. Bien joué. Pas de prise à deux cette fois et Joe Burton qui va peut-être avoir envie de forcer un petit peu. Hein. Il y a du retard à rattraper. Et c'est un échec pour le pivot américain. On voit Geoffrey Verbeek qui demande, on monte d'un cran en défense, on sort fort sur les écrans. Des prises à deux. La faute un petit peu bête de romancer là-dessus. Dans le dos de Joël Aouich, il a voulu prendre la balle, c'était beaucoup trop compliqué. L'objectif pour les Canets, ça va être de tout simplement faire tourner le chrono. S'ils peuvent continuer ce qu'ils ont réalisé depuis le début de la rencontre, c'est-à-dire prendre des tirs en fin de possession, ça va clairement leur convenir, je pense. Onaembo qui se met tout en haut du demi-terrain et qui attend la fin du chrono. Bernaoui, c'est très bien joué. Deuxième faute d'équipe. Elle est sifflée contre Joe Burton. Et donc ça redonne 14 secondes sur la possession en plus. Là, c'est l'opération parfaite pour les Canets. Déjà deux fautes d'équipe pour le BC Orchi. En plus de ça, un peu plus de possession. Onaembo. Vécus qui monte d'un cran. Oh là, très bonne passe dans le dos pour Joël Aouich. Bernard qui doit tirer sur Joe Burton, c'est trop compliqué. Et le rebond du parfait Njiba. Dans les moments cruciaux, Njiba qui répond présent. Orchi qui n'y arrive plus. Décidément. Onaembo à
à 3 points. Au tir. Oh là là. Quel shoot de Carlo Naembo. On le disait, discret dans cette première mi-temps. Qui est capable de répondre à présent. C'est écœurant même pour les joueurs du BCO. Qui avait fait une si belle première mi-temps, qui était vraiment prometteuse. C'était toutes ses promesses pour cette deuxième mi-temps, et malheureusement pour l'instant. La seconde période qui est à chance unique. 100% pour les joueurs du Calvados. C'est Lucas Vera qui vient de commettre une faute, c'est sa quatrième. Donc forcément il sort, remplacé par Bryson Pope qui lui aussi est capable de scorer. Côté hors chez un, les changements c'est Romain Jouel et Ousmane Gueye qui sortent, remplacé par Glenn Duro. Et Aurélien Larigo remet de l'expérience, voilà, pour combler un tel retard maintenant. Il faut réagir tout de suite, hein. S'il n'y a pas de réaction impérative, là ça va être vraiment compliqué pour les joueurs du BCO d'essayer de rattraper ce retard. Larigo qui refuse le tir. On donne à Burton à l'intérieur, toujours pas en réussite. Joe Burton, c'est un petit peu le symbole de cette seconde mi-temps. Hein. Joe Burton, le meilleur joueur de cette saison, qui n'y arrive pas face à la défense canaise. Joël Awish. On redonne à Bryson Pope. On le disait, hein, les Canadiens qui prennent leur temps. C'est tout à leur avantage. Le rebond de Genturo. Petit contact avec Bryson Pope, pas de coup de sifflet. Vaincus. On a limite l'impression que les joueurs d'Archi ne sont pas concernés, ne sont pas vraiment dedans. Il y a des positions de tir ouvertes, il y a 23 points de retard à combler, il faut tirer. Il faut le prendre. Rigo qui se rapproche du cercle, toujours pas d'adresse pour Archi. Archi qui n'y est plus. Benjiba qui va demander la balle au poste bas, le petit avantage par rapport à Augustin Svencus, Carlo Naembo pour un deuxième, non ça ne rentre pas, le rebond de Joe Burton. Allez, il faut mettre du rythme. Oui, Rigo qui provoque une nouvelle faute d'équipe de Mounir Bernaoui. C'est la deuxième dans le carton pour Mounir Bernaoui, la troisième pour les Canets, le retour de Taylor Marshall. Mounir Bernaoui qui peut sortir tranquille après le match qu'il nous a fait. Très très costaud. L'élément majeur de cette rencontre. 22 points, 10 rebonds, 29 déval. Double double. Ah oui, à 30 déval quasi pour Mounir Bernaoui. Vaincus de très très loin, ça passera par là. Pour Archi, toujours pas d'adresse. Les Archisiens qui n'arrivent décidément pas depuis la mi-temps. Sur les 13 minutes qui sont passées depuis la mi-temps, seulement 8 points marqués par Archi. Sur un 30 à 8 depuis la mi-temps pour les Canets. Bryson Pope, il reste 5 secondes de possession. Et la faute offensive sifflée à Joël Awish à l'intérieur. Dans le duel avec Joe Burton. Quatrième faute d'équipe. Là, le point de satisfaction dans ce début de quatrième carton pour Archi, c'est bien les fautes provoquées. Il faut continuer. Allez, Aurélien Rigaud. Pour Mike Benhamed, on voit un joueur avec qui n'est pas non plus content du système exécuté. C'est un peu d'incompréhension. Et la cinquième, il y aura deux lancers pour Aurélien Rigaud. Et c'est la quatrième faute personnelle pour Carlo Naembo. Oula, attention, petite altercation entre les deux joueurs. C'est à l'image de toute la tension de cette série entre Carlo Naembo et. Je pense qu'il est frustré de la faute qu'il vient de faire, Carlo Naembo. Ouais, peut-être, mais d'un côté, certes, c'est sa quatrième, mais son équipe est à plus 23. Oui, c'est donc ça, c'est sûr, c'est attention sûr. À ne pas non plus tomber dans une frustration qui serait peut-être inutile. Pas s'énerver. Pour l'instant, le match est en main. Donc voilà, c'est ça. Pour les Canets, le but, c'est de maîtriser. Stéphane Berlin qui va laisser d'ailleurs Carlo Naembo sur le terrain. C'est peut-être aussi l'idée d'Aurélien Rigaud d'essayer un peu de rentrer dans la tête de ses adversaires. Là, qui va aller provoquer la cinquième faute d'équipe. Donc pour le nordiste, forcément le BCO qui monte d'un cran en défense, on va tenter des prises à deux, on va tenter une zone presse. Pas d'hésitation pour Parfait Njiba, il va direct au panier provoquer la faute de Joe Burton. C'est aussi l'inconvénient d'une zone presse, en tout cas si elle est passée derrière ça ouvre des avantages.
On a pas le droit à l'erreur sur ce type de défense, ouais. Ça crée forcément des décalages. De toute façon, une prise à deux, c'est factuel, ça laisse un joueur de libre. Il y a vraiment, depuis le début du match, en tout cas, une très bonne gestion, peu importe ce qu'il essaye de proposer hors champ en défense. Caen qui a su trouver la solution à l'image des 83 points marqués. Hein. Là, il y a un petit peu moins de points forcément marqués dans le quatrième quart-temps. C'est plus de la gestion pour le CBC, mais jusqu'ici, Stéphane Eberlin et ses hommes qui réussissent leur mission. Carlo Nembo qui sort, un petit peu frustré, remplacé par Edel Amrani. Gros match aussi hein, d'Edel Amrani. Il a parfaitement supplé Carlo Nembo. On avait très peu vu dans le match 2, seulement 1 sur 7 pour lui au tir dans ce match 2. Aujourd'hui, c'est une toute autre prestation pour lui. 12 points. 5 sur 10, ouais, 12 points. Et 9 passes décisives. Hein. Le métronome de cette équipe, 17 déval pour lui. Il prend du double-double aussi, Mounir Benraoui. Oui, qui est déjà en double-double. Une statistique parlante aussi, c'est quand même l'évaluation collective. 114 déjà pour Caen, seulement 63 pour le BC Orchi. Il y a des chiffres qui ne trompent pas, Lucas, dans cette seconde mi-temps catastrophique pour les joueurs de Geoffrey Verbeek. Njiba toujours impeccable, hein, 2 sur 2, l'écart qui reste à 23 points. Tout seul, 2 points supplémentaires. Petit oubli en défense pour le CBC sur une sortie de pick and roll. Et la Wish, attention, 8 secondes. Et la Amrani qui va gérer tranquillement la possession. Bien joué, bien trouvé par la part de Tyler Marshall. Je ne sais pas combien il a de passes décisives Tyler Marshall sur le match, mais lui aussi en tout cas. Il a su très bien trouver ses coéquipiers. 5 passes, 9 rebonds pour lui. Avec seulement 6 points certes, mais voilà. Il a su... Dans tous les domaines. Ouais. Il a su trouver un autre point fort de son jeu. La bonne passe de Rigaud pour Jefferson. 2 points supplémentaires. Et on essaie d'y croire encore. On peut encore résigner les joueurs d'Archi, même si là, moins 21. Bon place. Oh, la faute de corps finalement pour Aurélien Rigaud. J'allais dire qu'il était bien placé. Mais l'arbitre l'a jugé en mouvement. La faute reviendra au joueur de Caen et c'est la quatrième. Collective, ouais, c'est ça. Donc les deux équipes sont dans la pénalité. On va suivre le parquet. Alors que Geoffrey Verbeek prend déjà son troisième temps mort, il me semble. Ouais, seulement 5 minutes de la fin. De toute façon, il faut prendre des risques maintenant pour les joueurs d'Orchi. 21 points de retard à l'entame des 5 dernières minutes de ce quatrième quart-temps. Il n'y a rien à perdre. Soit on tente quelque chose et ça marche, soit on laisse filer le match. On signale tout de même que Toulouse a remporté son match 3 à Chartres, qui réalise l'exploit à 85-72, qui donc se qualifie pour les quarts de finale. Qui retrouvera soit Caen, soit Archi en quart de finale, oui, pardonnez-moi. Très très gros exploit de la part des Toulousains. Oui, hein. On rappelle le CCBM qui jouait la montée en Pro B contre Rouen sur le dernier match de la saison régulière. Ils sont passés à un match de la montée et ils sont éliminés 3 matchs plus tard. Éliminés 3 matchs plus tard sur le premier tour des playoffs, donc c'est quand même un gros upset. Incroyable exploit réalisé par les Toulousains. Et cela veut dire que soit les Canets, soit les Archi, soit les Arceviens, même si on se dirige probablement vers une victoire canaise, auront l'avantage du terrain sur le quart de finale, puisque Toulouse a fini, on en rappelle, un 7ème de la poule B. C'est le dernier qualifié en finale, le dernier qualifié pour les playoffs, qui élimine le premier non qualifié, enfin non montant en Pro B, quoi, le premier qualifié en playoffs, deuxième de cette deuxième phase de cette poule A de National 1 déjà sorti. C'est le deuxième au classement contre le 16e. Contre le 17e même. Ouais, 17e même. Allez, c'est ça, 17e autant pour moi. J'ai un peu Matisse. Njiba. Vous notifiez l'exploit des Toulousains. Avec Marshall. Mauvaise passe pour l'Américain. Et ça relance. Augustin Svenkus. Vraiment, voilà, à 3 points. Qui met dedans. J'y réponds présent. Oh, derrière Bryson Pope qui vient provoquer une faute de Joe Burton.
Et il me semble en plus que ça va être sa quatrième à Joe Burton. C'est sa quatrième faute de Joe Burton. Deux lancers vu que c'est la cinquième, Orchi qui est dans la pénalité. Ah, dommage, il y a Orchi qui avait un petit temps fort, mais là qui a vite été stoppé. Clinique. Deux sur deux pour l'Américain. Donc l'écart qui retourne à 20 points, 89-69. Aurélien Rigaud avec Glenn Duro. Désemparé offensivement, pas de solution, c'est trop compliqué. En temps de possession. Même si Joe Burton a réussi à se créer un chemin dans la raquette et prendre ce rebond. Faute, ouais, là c'était compliqué pour le BCO. C'est Bryson Faux qui est venu faire cette faute sur le tir de Joe Burton. Quatrième quart-temps. Encore un lancer franc manqué pour Orchi, le huitième ce soir. Voilà, tous ces petits détails, on l'a dit tout au long du match, mais ça passe par là. Qu'un écart se creuse et s'amplifie. Bryson Faux. Oh là là, encore une grosse présence des intérieurs canés. Le ballon sera conservé par le CBC. Tout leur sourit, la balle qui rebondit sur la ligne. L'instant se dirige droit vers une victoire canaise. Malgré un sauf exploit imminent du BCO. Alors, on se dirige vers une fin de saison pour le BCO. Chez moins 19 à 4 minutes de la fin, il va falloir. Sans compromis. Il va falloir de très très gros shoots, des défenses étouffantes proposées par les Arcésiens. Allez, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a toujours des supporters du BCO Chi? Alors que nous avons atteint les 1500 spectateurs en simultané sur le live. Merci à tous les supporters canet et orcésiens et les supporters de Némin même de manière générale qui ont suivi cette rencontre à travers ce live. Reda El Amrani qui monte à cran très très haut défensivement. Et un Marshall qui va partir, il reste 6 secondes. Bryson Faux qui ressort sur Joël Aouiche à 3 points par-dessus Aurélien Rigaud. Comme pour tuer le match, efficace au possible les joueurs du CBC. Très 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 impressionnant. Comment ils ont mis la bonne passe. Et un panier rapide peut-être pour le BCO avec Romain Tsenin, ça rentre pas dedans. Et décidément Orchi, il n'y arrive plus. Trop compliqué, trop d'écart sur cette seconde mi-temps entre les deux équipes. Voilà, très belle opération des hommes de Stéphane et Berlin sur ces deuxième mi-temps. Bryson Faux est trop ouvert à 3 points. Oh là là, oui. là c'est. Attention, on va pas tourner à la correctionnelle quand même, ouais, 25 points d'écart, 95-70. Essayer de finir la saison quand même sur une bonne image pour les joueurs du BCO. Sur une note positive. Exactement. Joe Burton. J'ai du mal à trouver des solutions, il y aura pied, position conservée par le BCO. Mais qu'est-ce que c'est difficile pour les joueurs du BCO d'aller de se trouver, d'essayer de scorer. Seulement 18 points marquant en une mi-temps. C'est aussi révélateur de la grosse défense proposée par les hommes de Stéphane Héberlin sur cette deuxième mi-temps. 42 à 18 sur cette seconde mi-temps. Il est là l'écart. On rappelle un seul point de différence à la mi-temps entre les deux équipes. À 3 minutes de la fin. Ça semble compliqué, ça semble terminé même dans cette rencontre. 25 points d'écart. Les Canets qui ont montré une gestion remarquable. Les deux équipes qui se sont rendues coup pour coup dans la première mi-temps. Avec une adresse assez exceptionnelle. Et simplement Caen qui a continué sa grosse performance de la première mi-temps. Malheureusement, Orchi a,
a eu un petit peu plus de mal à suivre le rythme. Et c'est aussi ce qui fait la marque des grandes équipes, c'est la régularité sur tout le match. Exactement. C'était bien joué, mais Glenn Duro qui a vu un petit peu trop tard la passe de Joe Burton. De balle un petit peu à l'image de la rencontre, à l'image de la seconde mi-temps. On voit une mésentente offensive, en tout cas entre les joueurs d'Archésiens. Et la Marani, forcément, qui va gérer tranquillement la possession, va au bout. Oh, et le retour en zone, il va redonner la balle au BC Orchi. Elle passe un petit peu trop basse. Je vantais justement les qualités de gestion d'Ella Morani. Il y a eu très peu de pertes de balles en tout cas pour les joueurs du CBC en manière générale. Rinkus. Joe Burton à l'intérieur. Scotché. On a donné une faute à jouer la Wish. Je pense que la faute, c'est une faute de corps. Hein, quelle intensité mise. Pas de panier facile, il y a 25 points d'écart, rien à faire. C'est toujours les efforts, c'est ça, exactement. Jusqu'au bout. En tout cas, côté Stéphane Eberlin, on l'a compris. C'est Baba Samaké qui n'avait pas encore joué dans ce match, qui avait joué seulement une minute dans le match 2, qui rentre pour les deux dernières minutes. Il a le droit à son temps de jeu aussi. Et voilà, Marshall qui sort. Félicité par son mouvement. Il a su rester discret, pas rester provocateur, en tout cas pas rentrer dans le jeu des Orchésiens. C'est ça exactement, un très très gros match. Honnêtement, il a été présent sur tous les secteurs, pas forcément énormément scoring. En même temps, quand on a Mounir Bernaoui qui fait un chantier énorme, il y a Rida El Amrani aussi qui a fait un énorme match. Lui a su aussi trouver son levier qui a aidé tout simplement le CBC à aller chercher cette victoire. Quand même une PV l'Arena un petit peu éteinte, ouais. Il n'a plus les mots, plus la force d'encourager, même nous on est quand même plus sur la tête après cette deuxième mi-temps canaise. Plus du tout la même ferveur qu'on avait sur la première mi-temps, les supporters qui étaient venus en nombre. Archie qui avait vraiment livré un super spectacle sur cette première mi-temps, mais qui malheureusement encore un lancer franc a peut-être été aussi un petit peu pris par l'enjeu sur cette deuxième mi-temps. Sur deux. À l'image de cette. Mais ouais, même les lancers francs ne rentrent plus. Forcément. La balle qui va toujours une grosse intensité pour le CBC. Ça va bien. Il reste 9 secondes, ça fait tourner tranquillement le chrono. Charlonembo. Ça va attendre la fin du buzzer. Bryson Pope dans le corner. Complètement manqué. Pour Bryson Pope. On essaye de relancer tant bien que mal pour Orchi, très bien faire de la part de Romain. Il doit y avoir une satisfaction aujourd'hui côté BC Orchi, je pense qu'elle est là. Romain Jet qui nous livre un vrai match de costaud. Très très grosse première mi-temps aussi d'Aurélien Rigaud qu'on a un petit peu moins vu sur la deuxième. À son image là, qui a failli aller chipper ce ballon. Donc, Bryson Pope va laisser sa place à Gaël Marmillo qui dispute ses premières minutes. Dans le match, il n'avait pas joué non plus du match 2. Il faut rappeler Gaël Marmillo qui connaît bien Romain Holzel. Ils jouaient ensemble l'année dernière du côté de Laza au centre de formation en espoir Pro B. Voilà, ils sont copains, ils s'entendent bien. Et qui se retrouve adversaire. Forcément, plus 23 dans le match, il reste 2 minutes, il a le droit à son temps de jeu. Sorti de Joe Burton. Voilà, Joe Ferrerbeck l'a compris. Le match de la saison est fini, la saison est terminée même pour Archie, pour Joe Burton. Qui donc conclut officiellement sa saison de MVP sur cette sortie. Remise en jeu pour le CBC. Une saison un peu en dents de scie, hein. Une première phase exceptionnelle. Mais là, vraiment, qui a un petit peu décliné au fur et à mesure de la saison. Mais globalement. Par les adversaires aussi. Ouais, il y a énormément de choses positives sur cette saison. Orchi a quand même terminé premier ex aequo à la fin de cette première phase. Mais qui malheureusement vont devoir. Devoir arrêter leur saison. Ce game 3 des huitièmes de finale. Salvez qui sort aussi. Salué par tout le staff. Grosse saison aussi hein, de Lucien Vécus. Voilà, les cadres qui sont mis au repos. Ovationnés pour leur bonne saison. Malheureusement, ça n'aura pas suffi. Les
Il met quand même dedans. On peut le revenir à 20 points. C'est un très bon match, même si on l'a très peu vu dans cette seconde mi-temps. Il aura répondu présent aussi. Hein. On va parler de Romain Hölzl. Qui va faire tourner tout simplement. Tentative de prise à deux par Ousmane Gueye. Marmio qui refuse le shoot pour l'instant. On lui donne le tir à 3 points. Le petit jeune Mekane a envie qu'il marque. Lui et Sanamaki, ce sont les deux seuls joueurs qui n'ont pas scoré. Il va jouer, Romain Hölzl, il va jouer. Oh là 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 là. Par Joël Aouiche, monstrueux en défense. Et il y avait aussi le retour de Baba Samaki qui ne semblait pas de tout d'accord. Il était aussi prêt à scotcher cette balle. Ah, c'est impressionnant. Disais, cette 20 points d'écart, il pas de panier facile. Bout, on est à la 38e minute de ce match. Plus 20. Qui continue ses efforts, perte de balle de Boril Arrigo en plus et la contre-attaque d'El Amrani avec la faute de Mike Benhamed qui est provoquée. Félicitations simplement aux joueurs du CBC qui vont aller retrouver Toulouse pour ses quarts de finale de National 1. Il y aura donc le premier match vendredi 12 mai du côté de Toulouse, vendredi 19 mai du côté de Caen et potentiellement un match 3 du dimanche 21 mai à Caen. Alors que voilà, Aurélien Rigaud sort également ovationné. Saison assez quand même qui a eu entre guillemets qui ont eu leurs petits problèmes aussi les Canets avec la blessure des Damon Watts, la blessure de Moïse Diame en début de saison. Qui n'a joué que 4 matchs sur la saison, mais voilà, ils ont trouvé leurs ressources. Et qui ont passé en quart de finale. Exactement. En tout cas voilà, le Bandorchi, Aurélien Rigaud, Augustin Svenkus, Joe Burton, on sent la déception, la frustration des joueurs d'Archi sur cette deuxième mi-temps ratée de 0 en se retournant. Ah, on est rentré dans la dernière minute, 77-97 plus 20 pour Caen. Bon, Aurélien Rigaud marqué, hein, très très déçu par cette défaite. Joël Aouiche avec Marmio pour El Amrani, bien trouvé pour Baba Samaki, la faute anti-sportive. Ousmane Gueye. Bien joué, Baba Samaki qui a fait sauter son vis-à-vis. Voilà. Ousmane Gueye qui retourne sur lui. Il ne jouait pas le ballon, évidemment. Donc, une faute anti-sportive. Samaki qui marque, qui inscrit donc son premier point dans la rencontre. 98-77. Voilà, pour clore ce match, Baba Samaki qui manque son deuxième lancer franc. Le CBC qui va récupérer la possession. Marmio, à 10 secondes de la fin, on va avoir envie de le faire scorer le petit jeune. C'est compliqué. Pas le chemin du cercle, Joël Aouiche à l'intérieur, Baba Samaki qui ressort. Amrani. Peut-être attendre la fin de 24 secondes. Joël Aouiche à 3 points pour terminer ce match. Le match est passé la barre des 100 points, 101 à 77. À moins qu'il remonte, qui score pour un dernier panier du côté du RBS Orchi. Il reste 7 secondes. Terminé, dernière possession, Glenn Duro qui va pas la jouer. Fin de saison donc officiellement pour les joueurs d'Archi et le CBC qui passe le tour suivant. Ils se retrouvent donc en quart de finale de ces playoffs, 101 à 77 sur ce match 3. Première mi-temps équilibré, très offensif, seconde mi-temps à sens unique pour les Canets. Merci à tous les supporters canets et les supporters archiens qui nous ont suivis durant ce live. On a atteint la barre des 1500 spectateurs simultanés, c'est complètement énorme. On souhaite bien évidemment une très belle suite de playoffs pour nos amis normands. Et quand même un petit mot sur la saison du BCO qui a été quand même très positive, même si un petit peu déçu de cette sortie prématurée. Mais forcément, l'issue est décevante, hein. Une élimination en 8e de finale. Et tu l'as dit, on avait une très belle, notamment fin de première phase pour les joueurs d'Archi qui avaient accroché le top 5. Qui avait fini par une très belle série de victoires consécutives, une phase 2 très compliquée, seulement 2 victoires en 10 matchs. Et donc voilà, une élimination au premier tour des playoffs contre le Caen Basket Calvados qui n'aura pas démérité. Bien évidemment, on leur souhaite le plus de réussite possible contre Toulouse. On rappelle les dates de leur match vendredi 12 mai
premier match donc à Toulouse, vendredi 19 mai, le second match qui aura lieu à Caen, et dimanche 21, si besoin, le match 3 qui aura également lieu à Caen. Exactement. Et bien encore une fois, on vous remercie, on vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée, un très bon lundi du 8 mai, demain, étant donné que c'est férié, et on vous souhaite une très bonne fin de saison. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci pour cette saison. On se retrouve l'année prochaine. On va quand même tous ensemble féliciter les joueurs. La victoire n'est pas là, mais je pense que les joueurs vont tout donner. Alors, faites un maximum de bruit pour les joueurs de l'Université.
Let's go.